travailler. Voilà, c'est ça. Montreuil, l'été. Ouais. Et quand on... Vierzon. Ouais, ouais. Au revoir. D'accord. Oui, mon ami, il y a beaucoup de changements. C'était la bonne époque. C'était un pays qui était... Et il y avait un congolais. La Marseillaise et Salon Général. Hugo, écoute. Sur le général qui sera devant vous, quand le général salue, vous saluez, de façon à ce que ce soit coordonné. Et premier rang, de l'amphithéâtre, il y aura l'évocation de la carrière de Nessus et l'évocation de Nessus. Maintenant, j'attends vos questions s'il y en a. De manière à pouvoir libérer rapidement le capitaine Stripling qui a allaité son gamin. Capitaine, Cassé qui dit n'a pas payé. Ouais, ouais. La vedette. On peut chanter encore, on peut chanter. Des filles de qui partent par la porte. Tu me suis. Ligote de charité. Entre les arbres de terre. Tiens, voilà la coloniale. Voilà les coloniaux. Mesdames, messieurs. Je parlerai de l'unité des sergents Nessus, la 6e CPIMA, de la, notre association des éléphants noirs, dans le but de vous faire comprendre bien ce qu'était cette unité et ce qu'était cette amicale, mais également de vous faire comprendre que dans l'armée, on ne vient pas faire un métier, contrairement à ce que peuvent vanter les clips diffusés par la télévision ou par la presse, de l'armée de terre. En 1948, à la fin de la guerre, dans un contexte économique très difficile, fut créé le GCCP d'Afrique équatoriale française, groupement de commandos coloniaux parachutistes. À Brazzaville, quelques 150 hommes, 4 commandos, une section de livraison par air, en charge de la défense des intérêts de l'empire colonial français, sur un théâtre d'opération de 3 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 5 fois la surface de l'Hexagone. Vu les immensités à contrôler et vu les faibles effectifs concernés, les commandos avaient l'habitude de partir pour des missions de longue durée et très lointaines, reliées simplement à Brazzaville par un vieux poste radio que vous n'avez pas connu, le poste ANGRC9, capricieux, qui marchait quand il voulait bien. Ce qui voulait dire que le chef de commando était à des milliers de kilomètres de son chef, en tant que lieutenant, et était réduit à appliquer tout ce qu'il voulait, toutes les initiatives, toute la liberté d'action qu'il avait. De surcroît, quand il ne voulait pas obéir, il disait que le poste radio était en panne. Les premières interventions de l'unité eurent lieu au Cameroun, entre 1956 et 1963, contre les maquis rebelles de l'Union populaire camerounaise, qui se montraient d'une cruauté abominable envers les villageois. Il y a eu même à cette époque des opérations parachutées. Aucune perte de l'unité ne fut à déplorer pendant cette période. L'unité fut ensuite engagée début 1964 au Gabon pour remettre en place le président Léon Mba, destitué par un coup d'État de jeunes militaires ambitieux. Vous avez ici des acteurs de cette période, le lieutenant Gauthier, lève la main en général, qui est maintenant général et qui est un ancien de l'ENSOA. À cette occasion, nous avons déploré un mort et 3 blessés graves. Alors, ces gens-là, blessés au combat pendant un assaut, ont eu des récompenses formidables. Comme la France ne voulait pas que ça s'ébruite, ils ont été blessés en service et ils n'ont eu aucune citation. Mais c'est lors de l'intervention au Tchad en 69-72 que l'unité a subi ses plus lourdes pertes, à savoir 26 morts et 53 blessés pour 120 personnes sur le terrain en 22 mois. Si on compare avec le contingent
français en Afghanistan et qu'on applique le même ratio, ça voudrait dire qu'en Afghanistan, le contingent français aurait à, aurait à déplorer 50 morts et 100 blessés par mois. Pour des raisons simples à comprendre, à cette époque, la France ne voulant pas être traitée de néocolonialiste, tout sacrifice de ces de vos frères d'âme fut occulté par la nation, les médias, le présentateur de France Inter n'en a même pas parlé, le présentateur de télévision du 12 octobre 1970 a simplement dit qu'il y avait eu 12 morts au Tchad, mais que les Français ne s'inquiètent pas, ce n'était que des engagés. Comme si le sang des soldats avait une différente couleur suivant leur statut. Ce fut leur seule raison funèbre. Vous me direz pourquoi autant de pertes, et vous aurez raison de poser la question. D'abord, la France a engagé très peu de moyens pour régler cette rébellion sur un territoire qui faisait quand même 1 250 000 km². Ensuite, une unité qui connaît le feu pour la première fois doit apprendre son métier. C'est-à-dire, quand on va au feu, on a toujours plus de pertes au début qu'à la fin. Mais surtout, nos adversaires étaient des guerriers tout bout, parfaitement adaptés à leur milieu, excellents tireurs, courageux. On n'a jamais pu réussir à faire un prisonnier. On est obligé de, même en parlementant, on est obligé de les finir. Enfin, et surtout, dans les terrains que l'on. Les terrains montagneux que l'on pratiquait, vous en avez vu un peu la démonstration ici, tous les appuis sol-sol ne pouvaient pas suivre. C'est-à-dire que nos seuls appuis étaient l'aviation. On n'avait pas de mortier, on n'avait pas de canon, on n'avait pas d'automitrailleuse. Et l'aviation, elle a ses limites. Donc c'est les Sky Raiders et les pirates qui nous ont aidés à nous en sortir. C'est la raison essentielle qui nous a fait gagner la guerre contre cette rébellion. Si les aviateurs n'avaient pas été là, nous n'aurions pas gagné cette guerre. Je vais en reparler. Le retour en France, une fois les austérités terminées, fut très dur pour les gens de la CEPIMA. Certains de nos frères d'armes, n'ayant pas eu l'occasion de connaître le combat, à cette époque il n'y avait qu'une unité au combat de l'armée française, c'était la nôtre, furent jaloux de notre engagement. Les familles de nos tués furent négligées par les politiques et par l'armée. L'unité fut dissoute en 1975, le gouvernement tchadien ayant décidé de se séparer de notre protection après les affrontements politiques liés à l'affaire Clostan. Venons à l'amicale des éléphants noirs, dont vous avez quand même 70 représentants devant vous. C'est pour réparer toutes les injustices de l'État français que nous avons créé cette amicale, et voici dans quelles conditions. Il ne fut pas aisé de retrouver tous nos amis, l'unité ayant été dissoute 22 ans plus tôt. Cependant, le 22 octobre 2000, au premier Puma à Bayonne, devant une centaine d'anciens déjà retrouvés, fut créée notre association et un serment, dit le serment de Bayonne, figure parmi les statuts. Ce serment peut se décliner ainsi. Honorer nos morts, aider leurs familles dans leur deuil, faire connaître et reconnaître le patrimoine de l'unité, aider les paras dans le besoin, cultiver les liens d'amitié entre nous. Aujourd'hui, pour une simple petite compagnie dissoute en 1975, nous sommes 450 à l'amicale, c'est-à-dire presque autant que certaines amicales de régiment encore en activité. Mais on est tous vieux, on ne se renouvelle pas, il faut nous accepter tel qu'on est. Au fur et à mesure de la montée en puissance de l'amicale, on s'est rendu compte qu'il fallait élargir sa dimension. On est passé d'une amicale d'unité, la 6e CEPIMA, GCCP, à celle d'une aventure, celle du Tchad. Et on a donc ouvert l'amicale à un certain nombre de personnes que je vais vous présenter maintenant. Nous avons des éléments dans l'amicale du 6e régiment d'infanterie de marine de Fort-Lamy, des éléments des forces françaises terre de Fort-Lamy, des membres ayant
servi en assistance technique au Tchad à cette époque avec nous. Des éléments du 3e RIVA qui sont venus en intervention avec nous à cette époque également, un légionnaire. Des éléments du 1er RIVA, 8e RIVA qui étaient bien sûr des régiments fournisseurs. Et nous avons même des aviateurs, un pilote de Sky Raider et un pilote d'Alat, d'un pilote d'hélicoptère Alouette 2, qui a évacué le soir de l'embuscade 12 de nos blessés graves vers l'hôpital de campagne et qui leur ont permis de survivre, Bernard Lefroy. Voilà le pilote. Dans mon commando, le sergent Nessus, chef de groupe, a été tué. Le sous-officier adjoint a été tué. Le chef du 2e groupe a été découpé en rondelles, mais il a survécu grâce à Bernard. Et le 3e chef de groupe a pris une balle dans l'épaule. Mais, malgré ces risques, vous exercerez le plus beau métier du monde. Rien ne marque autant un subordonné que le regard qu'un subordonné portera sur vous lorsqu'il connaîtra ce moment de vérité qu'est le baptême du feu. Dans quelques mois, vous allez vous retrouver au commandement d'un groupe de combat. Ne cherchez pas à vous imposer par des coups de gueule, par la violence, par la flatterie ou par l'abdication. Vous vous imposerez naturellement parce que vous serez les meilleurs experts dans votre spécialité. Vous vous imposerez parce que vous serez des bons pédagogues. Vous vous imposerez parce que vous donnerez l'exemple. Vous vous imposerez parce que vous serez à l'écoute de vos hommes. Et surtout parce que vous les aimerez. Alors vous ne ferez pas un métier. Vous serez des chefs et des seigneurs, pas des contremaîtres. Bonne chance à tous. Bon alors je n'exagère pas, alignez-vous comme vous voulez. Alexandre, c'est comme les pieds, les bras. Oui, mais comme vous n'avez jamais su aligner quoi que ce soit, à part les pieds. Mauvaise langue. Je vous l'alignez, moi, si vous continuez. Et on a une ligne en plus. École nationale des sous-officiers d'active rassemblés à vos ordres, mon général. Thank you.
Un insigne de promotion en est le signe distinctif que les élèves seront alors autorisés à porter. Bernard Nessus est né le 4 juillet 1944 à Fous, en Lorraine, en territoire occupé. Élevé dans un milieu modeste et patriotique, c'est un jeune homme dynamique, brusque et sportif. Elle se trouve prise dans une violente embuscade à très courte portée par les rebelles. Les camions sont immédiatement immobilisés, les parents en gifle aussitôt pour y poster. Le feu prend la vie. Il sera l'un des plus meurtrières de la compagnie parachutiste d'infanterie marine. Bernard Nessus avait choisi de servir en France à l'âge de 26 ans, après une courte mais riche carrière. La croix de la hommage à ce sous-officier exemplaire. Voilà, vous avancez maintenant. Monsieur, vous avancez. Élève sous-officier du 1er bataillon et de la 280e promotion. Il y a quelques années, vous avez choisi de servir l'armée de terre en devenant engagé volontaire. Vos qualités foncières et professionnelles, votre travail et votre volonté vous ont permis d'accéder au rang des meilleurs engagés de vos formations. Bon nombre d'entre vous ont déjà été engagés sur des théâtres d'opérations extérieures. Imprégnez-vous de l'exemple du sergent Bernard Nessus, qui vous montre le chemin de l'honneur, de l'action et du courage, et la route exaltante, mais toujours très exigeante, du commandement des hommes, de l'engagement total et de la noblesse de cœur. Comme un pont.
Repos. Parce que s'ils ont oublié, il y a des nouveaux arrivants, il y a le président d'honneur qui ne sait peut-être pas tout. Je sais pas quoi. La bouffe. Pourquoi? La bouffe. Mais où? Bah ça, on s'en sait rien, mais on va bien trouver. On descend la côte et c'est au bas de la côte, au quartier marchand. D'accord. Vous pouvez rentrer vos voitures à l'intérieur et vous pouvez vous bourrer le pif. Maintenant, c'est fini. Ouais, ouais, vous pouvez vous lâcher. Je sais pas si les flics vont avoir la même opinion. Le quartier marchand. Est-ce qu'on s'est bien tenu? Hein? Le quartier marchand porte le nom d'un ancien éléphant noir qui a traversé tout le Tchad en partant de Brazzaville et qui est arrivé jusqu'à Fashoda. Hubert, c'est compagnie. C'est bien, je sais pas comment il sortait le mec. Hein. Et s'il mettait un gars en TAP5, s'il mettait. Il m'avait dit. Émouvante. Je n'en dirai pas plus. Ça fait. Moi, pour moi, ça m'a marqué beaucoup. Ça reste. Ça m'a marqué. Je te dis, Nessus, ben, il était devant moi, à quoi, 5-6 mètres devant moi, sous le camion. Je voyais que les jambes. Hein. Ouais. Bon. Oh, le Bernard, c'est un bon gars. Hein. Ah oui. Hein? Ah oui. Ouais, c'était aux trois ensemble. C'était un gars qui était droit. 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 Ouais. Ouais. Il était juste. Ouais. Et il n'y avait pas plus de, si tu veux, même quand on travaillait ensemble, si tu veux. Il n'y avait pas plus de sergent, plus de parenthèse. L'essentiel, c'était tout écouter. Ouais, c'était le mec. Écouter les ordres, voilà. Tu avais un coup de blues, il venait à côté de toi. Donc, allez, Christian. Ouais, il était pas. Allez, il était. Oui, je l'ai eu comme caporal-chef, et puis après... Ouais, bah moi aussi, c'est chef de groupe. Ouais. Et un bon. C'était un bon. Ouais. J'espère que dans les jeunes, il y aura de la graine.